il y a l'enclume et le marteau. Bon. L'enclume, c'est fixe. Une enclume de forgeron, ça tient au sol. Donc, il faut que l'enclume soit solidement tenue par trois doigts. Le pouce, l'index et le majeur. Le pouce faisant un supplément de pression sur l'index. Là, c'est bien tenu. Ça ne bouge pas. Et le marteau, lui, il bouge. Il faut essuyer les carreaux. Et ça part tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Patati patata, patati patata, patati patata, patati patata. C'est... Lorsqu'on était à l'école, on avait tous des lattes de châtaignier. Il faut savoir que le châtaignier, c'est le bois imputrescible qui servait à mettre sous les tuiles. Et on en avait toujours des bouts comme ça, et on s'amusait à faire les claque-bois avec des lattes de châtaignier, des bouts de lattes. Et on savait tous... on avait tous pris le coup. Que ce soit les bons, les mauvais, les imbéciles ou pas, on savait tous jouer des claques-bois. On les brûlait un petit peu au bout pour les durcir. On les brûlait. Bon. Mais on n'accompagnait pas de musique avec. Hein. On jouait de ça comme ça, quoi, dans la cour. En même temps que les billes ou autre chose. Il n'y avait pas de, mélodie accompagnante. Hein. Ça vient de mon grand-père. Mon grand-père qui était né vers 1870, Firmin, et il faisait partie d'une harmonie municipale. À Montsirène, à l'époque, c'était la mode. Tout le sud Vendée avait adhéré à des harmonies municipales. T'avais Trieste, Grue, mais même à Jarre, il y a eu deux musiques même. Il y avait la musique de droite et la musique de gauche à Jarre. Il ne fallait pas se tromper. Hein. Que les tambours chez nous étaient sacrés dans des rites très anciens, et puis
et puis ont été codifiés, et puis sont devenus populaires, et puis ont été empruntés par des militaires, et puis ont été proscrits par le clergé, puis remis dans des processions, enfin... Finalement, finalement, les fanfares, c'est un des derniers avatars de ces échanges qui s'est passé presque sous nos yeux, quoi. La musique est indissociable du sacré. Il y a même des instruments, par exemple des cloches et des tambours, qui ne s'appellent pas des instruments de musique, qui s'appellent des objets de culte. Pour une communauté, tel son de cloche signifie que c'est un baptême, que c'est une fille ou un garçon, que c'est un mariage, que c'est un enterrement, que c'est vêpres, que c'est les matines, que c'est les... C'est un langage, c'est sûr. Il n'est pas fait de mots et de phrases, mais il est fait de phrases musicales qui sont signifiantes pour les gens qui les entendent. Ça dit « il est 3 heures », ça dit « il y a le feu ». Il existe aussi des langages avec des tam-tams, avec des tambours, avec... Comme il existe des langages avec des signaux de fumée ou avec des signaux lumineux. C'est un code, un langage codé. Il y a les percussions qu'on porte en nous, le rythme du cœur qu'on entend dans ses oreilles quand on se couche le soir, ou bien la marche, le pas qui résonne dans notre corps, quoi. Déjà, c'est un rythme qui nous tient dès la naissance et même avant celui du cœur de notre mère, quoi. Donc, on est avec le rythme, nécessairement. Puis après, il y a les rythmes plus longs, ceux de la course du soleil dans le ciel ou bien des étoiles ou de la lune. Le rythme des saisons. Et les percus, les rythmes, ça sert à mesurer le temps, finalement. Ben, quand on parle de rythme, on parle de temps, combien il y a de temps. Je crois que c'est ça, les premiers rythmes. Après, on les a ordonnés plus ou moins, on a fait des objets plus ou moins sophistiqués, mais finalement, ça sert qu'à marquer des ponctuations dans notre temps.